Usherehe usiku wa Bwana harusi izinao uzamsi mudani mumatu yetia hatu yuji akompa yuji asosie nizeti za hule mengu ilizi sherehi usiku huu wa Bwana harusi unumwaha bungwa ibenza hamadi namna ikao nga mjuwao sonsipia nga mjuwao kangasi hama makati ya mabari maziro ya epidemi ritawa ya ukana ala kulihali ri sherehe usiku unu sha remarque khaswa le 31 usiku ze discours zito zi tekeleziwa wa mija tena no shangirizi wa hima dhamana wa hima ministre de la santé hanisa madame la ministre ka wa wakili et directeur de cabinet huja inspecteur général SGP ambo wa juao na DGS shanya wa jao amani na mne kongo mjuao itia hatu yana association national kao yo kushilani haina maha na na wahana activity reka ngarzi jor ka kartu zijua sha wahana activity kao uzi tanziani haina wakati india huana ne haina nao ya msi khaso harmi mashababi na na haina mbeka uvro msi ya kubungwa ibenza lelo riparana rijeri tekeleze iliri sherehe usiku huu ngaba jogu ngwa na ze activity ka ombali na bali ka wa tu passe api e ma partenaire ya hatu khaswa de organisation mondiale de la santé ka haina ma ha shangiria wa saidia wa shangirio wa kazi na na association mahajana rifanya hazi da sinao e ma haya bira khaswa mahajana na rishili yao ranisa activity ya harmaze lekoli unu ma ha ze activity izo kai journée mibili baada vanu ze tuzi jao wa tu continuer harmina bangu harmaze lekoli harma ha conférence na ni hashirisho minji harma wakazi ndio fahamu umsi yabo wetu na ngata wakati ya mjumeleshiani barramaji ya husiku wale leo handani madina mnaza tsawa ile tembe na juhusu ma Qur'an e juhusu ma ni Mr. Sulaiman ai Mr. Ben lelo harengo sukani Ben wa Omes katsuru mamru baada ya ngatujari shilie diskuri kao iko tekeleziwa ni dhamana mhumu wahe omesi mhumu ndani ya ko presente tena i dhamana wahe omesi harumai region ikao ngejo tekeleziwa ni wakala wahayo Dr. Kisan kao wakili Dr. Diara ibadavu karnaula tawakati nga juhi shiria alokisyon ya madame la ministre kao ngejo tekeleziwa tena ni director de cabinet ikao nga sida sinaivamu Yabweka sartimizi, ama nina mnaikao rihana bitwit, ima journalisti, usana warajisamba avi hoso nima ima vamana, wahe wizara, nana wajau tena, ima kwenfuko wahe minister, wajau, nana ima partenero hatu khaswa omes, edaraja hirini, elongo hirini kao, rizitao nziani, ili ruwane na hai ninao ya msi. Izo de barnama jiweka ya rihan sila muskole doin wetsi na wlatsa wakati ba do shidi ya monsieur Ben ya rinike e makara za kongani ka ukasina uka zinji bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim waja'ala al-qamara fihunna nuran waja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوك ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما غطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا
فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. تكبير. الله أكبر. أدوشي يا دكتور الثاني. Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du ministère de la Santé qui représente Madame le ministre, Monsieur l'inspecteur général de la Santé, Monsieur le conseiller, Monsieur le directeur des différents programmes, honorables invités, chers journalistes, au nom de Dr Diara Abdullah, représentant de l'OMS au Comores, je vais vous lire le message de notre directrice régionale, le docteur Machito Disso-Mouaiti, qui est la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, 31 mai 2024. Je cite. Cette année, la célébration de la Journée mondiale sans tabac coïncide avec la 77e Assemblée mondiale de la santé. Lors de la séance d'ouverture de l'Assemblée, le Dr Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a souligné le fait que la consommation de tabac est en baisse dans 150 pays et que l'on recense aujourd'hui 19 millions de fumeurs d'au moins dans le monde qu'il y a 2 ans. Cette journée nous offre l'occasion de mettre en lumière les dangers inhérents à la consommation de tabac et à l'exposition à la fumée du tabac. Aujourd'hui, nous faisons le bilan de nos avancées en matière de lutte anti-tabac, tout en reconnaissant les défis qu'il nous faut relever au titre des initiatives visant à contrer les tactiques utilisées par l'industrie du tabac dans le seul but d'entraver les efforts de lutte anti-tabac. Le thème retenu pour l'édition de cette année, à savoir protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac, appelle à une mobilisation au niveau planétaire pour protéger les jeunes des produits nocifs du tabac et de la nicotine, ainsi que contre les stratégies trompeuses fréquemment employées par l'industrie du tabac pour commercialiser ces produits. Ce thème offre une plateforme aux jeunes du monde entier pour demander à l'industrie du tabac de cesser de les cibler avec des produits nuisibles pour leur santé. À l'échelle mondiale, plus de 37 millions de jeunes âgés de 13 à 15 ans consomment du tabac. Dans la région africaine, le tabagisme chez les jeunes âgés de 13 à 15 ans atteint 11,1% chez les garçons et 7,2% chez les filles, soit environ 5 millions d'utilisateurs de tabac. On estime que 1,3 million de personnes meurent chaque année du tabagisme passif. Ces décès sont entièrement évitables. Les individus exposés à la fumée de tabac secondaire encourent un risque accru de décès dû à des maladies cardiaques, à des accidents vasculaires cérébraux, à des affections respiratoires, au diabète de type 2 et à divers types de cancers. Dans le cadre des efforts visant à protéger les populations, en particulier les jeunes, de l'ingérence de l'industrie du tabac, nous soutenons nos États membres de la région africaine dans le maintien d'une dynamique constante en matière de lutte anti-tabac. Cela se traduit par un plaidoyer en faveur de la réglementation stricte sur le tabac, de contrôles rigoureux sur les stratégies de commercialisation des nouveaux produits du tabac et des produits émergents à base de nicotine, souvent élaborés pour attirer les jeunes. Grâce à nos efforts, 45 pays de la région africaine ont ratifié la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, tandis que 22 autres ont ratifié le protocole pour éliminer
le commerce illicite des produits du tabac. De plus, 22 pays ont adopté de nouvelles lois anti-tabac qui auront permis de mettre en œuvre efficacement les dispositions du cadre de la lutte anti-tabac. Il s'agit là de législations nationales qui ont joué un rôle crucial dans l'accélération de la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS dans plus de 35 pays, contribuant ainsi de manière significative au recul de la prévalence du tabagisme dans la région africaine. Il convient en outre de signaler que la prévalence du tabagisme chez les adultes dans la région a elle aussi diminué, passant de 14,9% en 2010 à 9,5% en 2023. Le rapport mondial de l'OMS sur les tendances de la prévalence du tabagisme rendu public en 2023 souligne que 22 pays de la région africaine sont en bonne voie pour atteindre une réduction de 30% d'ici à 2025 par rapport au taux enregistré en 2010. Dans le cadre d'une initiative novatrice visant à lutter contre l'augmentation de la production de feuilles de tabac et en collaboration avec d'autres institutions du système des Nations Unies et des gouvernements, l'OMS a apporté son appui à plus de 5000 cultivateurs de tabac au Kenya et en Zambie qui ont abandonné la culture de tabac au profit d'autres cultures. Nous sommes conscients que les jeunes de la région sont exposés aux produits du tabac du fait de vastes campagnes menées sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de diffusion en continu, ainsi que par les interventions d'influenceurs sur ces mêmes réseaux sociaux pour faire la promotion clandestine des produits du tabac auprès des jeunes. Cela représente une menace majeure pour la santé et le bien-être de la jeunesse. Nous savons aussi que, bien loin de se limiter à la production, à la commercialisation et à la vente des produits du tabac, l'industrie du tabac consacre aussi un temps non négligeable comme d'importantes ressources à la promotion d'une science trompeuse, un lobbying et à la réalisation d'activités présentées sous le couvert de la responsabilité sociale des entreprises. Ce sont autant de stratégies qui ont pour but d'attirer les jeunes et d'influencer les politiques afin de favoriser les intérêts commerciaux de l'industrie du tabac au détriment de la santé publique. Si la consommation du tabac continue de diminuer chez les adultes, force est de constater que l'industrie du tabac a quant à elle diversifié son arsenal pour contrer vigoureusement les efforts de lutte anti-tabac. Elle s'emploie à développer des marchés en proposant des nouveaux produits du tabac qui sont aussi à la base de nicotine. L'industrie emploie diverses stratégies de commercialisation pour promouvoir de nouveaux produits spécialement conçus pour séduire les jeunes, tels que les cigarettes électroniques, les produits aromatisés, le tabac sans fumée, le snus et les sachets de nicotine qui font l'objet d'une promotion agressive sur les médias sociaux. Cette réalité met en évidence la nécessité de redoubler d'efforts pour contrer les tentatives incessantes de l'industrie du tabac de commercialiser ses produits auprès des jeunes. À l'OMS, nous préservons dans notre collaboration étroite avec le gouvernement pour lever les entraves à une riposte efficace et pour amplifier la dynamique visant à protéger les jeunes africains contre le tabagisme. J'invite instamment nos États membres de la région africaine à intensifier les efforts pour protéger les jeunes de l'ingérence de l'industrie du tabac en prenant des mesures pour, premièrement, assurer le respect par les gouvernements de leurs obligations en vertu de l'article 5.3 de la Convention cadre de l'OMS en mettant en place des mesures de protection pour préserver les politiques de lutte anti-tabac de toute ingérence de l'industrie du tabac. Deux, combattre les tactiques de l'industrie du tabac en utilisant comme tremplin des arguments fondés sur des données probantes ainsi que les meilleures pratiques, tout en impliquant de manière active les organisations de la société civile. Trois, sensibiliser le public aux tactiques de l'industrie du tabac. Et quatre, enfin, dénoncer les tentatives de l'industrie visant à cibler les jeunes et à attirer de nouvelles générations de personnes dépendantes grâce à des stratégies innovantes telles que la commercialisation de produits nouveaux et émergents et l'utilisation d'arômes.
L'OMS exhorte les pays à accélérer la mise en œuvre de la Convention cadre, ce qui se passe par l'adoption de mesures strictes sur la commercialisation de nouveaux produits du tabac et des produits émergents à base de nicotine ciblant spécialement les jeunes. Il s'agit essentiellement de la chicha, des cigarettes électroniques par des produits aromatisés, des sachets de nicotine et d'autres produits qui font l'objet d'une promotion agressive sur les plateformes des réseaux sociaux. Les pays devraient instaurer et faire respecter une interdiction totale du tabagisme et de l'utilisation des cigarettes électroniques, vapotage, dans les lieux publics, imposer des droits d'assises et des mesures tarifaires pour réduire la consommation de tabac et mettre en œuvre des stratégies efficaces de communication sur les risques pour la santé, principalement au moyen de mise en garde sanitaire à l'intention de l'ensemble de la population, y compris les enfants et les jeunes. J'invite tous nos partenaires, notamment les autres institutions du système des Nations Unies, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales, le milieu universitaire et les communautés à sensibiliser aux risques liés au tabagisme et à soutenir l'instauration de mesures fortes pour protéger la jeunesse africaine contre les méfaits des produits du tabac et contre les pratiques publicitaires fallacieuses utilisées par l'industrie du tabac. Je vous remercie. Présent, on va inviter M. le directeur du Madame la représentante de l'OMS, Monsieur l'inspecteur général, Mesdames et Messieurs, tout le monde présent, salam alaikum. Au nom de Madame la ministre, je vais vous lire son discours que cite. Comme chaque année, le 31 mai, le monde célèbre la journée mondiale sans tabac. L'Union des Comores marque cette journée avec cette cérémonie officielle qui sera suivie de plusieurs activités sur le terrain. Madame la ministre de la Santé, en collaboration avec l'OMS et les autorités sanitaires des îles autonomes, particulièrement celle de Ngazidja, vous remercie à toutes et à tous pour avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie. Votre présence témoigne de votre engagement et nous rassure également que dans ce combat, on n'est pas seul. Le thème retenu cette année, protéger les enfants à l'ingérence de l'industrie du tabac. Ce thème vient à point nommé car l'industrie du tabac vend délibérément aux jeunes une dépendance mortelle. C'est pourquoi la Journée mondiale sans tabac 2024 appelle les pouvoirs publics et la communauté de la lutte anti-tabac à protéger les générations actuelles et futures et à faire en sorte que l'industrie du tabac soit tenue pour responsable des dommages qu'elle cause. Les produits du tabac endommagent l'écosystème et causent aussi les maladies pulmonaires et cardiovasculaires qui tuent davantage de personnes que toute autre cause de décès dans les pays et dans le monde entier. Et la consommation de tabac ainsi que l'exposition au tabagisme passif contribuent à environ 12% de tous les décès dus à une cardiopathie. Les produits tels que les cigarettes électroniques et les cachets de nicotine gagnent en popularité auprès des jeunes. En 2022, selon les estimations, 18,5% des adolescents de la région européenne fumaient des cigarettes électroniques contre 2% des adultes. Dans certains pays de la région, le taux d'utilisation de la cigarette électronique chez les enfants d'âge scolaire sont 2 à 3 fois plus élevés que le taux de consommation de cigarettes. Le tabagisme est la deuxième cause principale de maladies cardiovasculaires après l'hypertension artérielle. Mesdames et messieurs, le tabagisme en Union des Comores reste un problème de santé publique. Plus particulièrement les accidents vasculaires cérébraux et les cancers de poumons liés à la consommation des produits du tabac. À cet effet, cette année, le ministère de la Santé va accentuer les stratégies de lutte car le public, plus précisément les jeunes, seraient trop peu informés sur les effets néfastes du tabac. Des conférences débats seront animées par la CATA,
pour nous permettront de mieux cerner le problème en mesurant l'ampleur des dégâts, des conséquences néfastes sur la santé et l'économie. Elles inciteront sans nul doute à chacun d'entre nous, autorités politiques, religieuses, villageoises, enseignants, professionnels de santé, grands et petits, hommes et femmes, de participer à ce noble combat afin qu'ensemble, nous unissons nos efforts pour lutter contre le tabac, surtout sur la jeunesse, une des principales causes de maladies cardiovasculaires et pneumologiques. La consommation du tabac dans n'importe quelle forme constitue aujourd'hui une menace très sérieuse des populations dans le monde en général et en Afrique en particulier. C'est pourquoi la communauté internationale est très préoccupée par la morbidité et la mortalité croissante de nos populations, autant par les dégâts économiques, sociaux et environnementaux qu'entraîne l'usage du tabac. Mesdames et messieurs, nous sommes tous des acteurs du développement et du progrès social. Or, cela ne sera possible sans une population saine. Cependant, le tabac est beaucoup plus consommé dans notre pays, détruisant lentement mais sûrement la santé de nos communautés par plusieurs maladies qu'on peut éviter en s'abstenant de l'usage du tabac. Bien que la situation sur l'épidémie du tabagisme ne soit pas bien connue, le rapport de l'enquête sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles aux Comores réalisé en 2001 montre que 13% de la population interrogée fume la cigarette, dont 23% sont des hommes et 2% des femmes. 18,4% des personnes interrogées consomment du tabac sans fumer, dont 30% des hommes et 70% des femmes. Au vu de cette situation et un appel à la conscience de chacun, je vous remercie, mesdames et messieurs, les autorités locales, particulièrement les chefs de village, les maires, les préfets, les chefs de brigade de gendarmerie, les chefs de commissariat de police. Il y a des dispositions que vous allez désormais prendre pour faire appliquer la loi. Permettez-moi également de vous témoigner le soutien du chef de l'État, son Excellence M. Azali Assoumani, et son gouvernement, qui ont toujours placé la santé de la population au centre de leurs préoccupations majeures. En effet, la communauté internationale sous l'égide de l'OMS a dénoncé les méfaits du tabac et a adopté la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac en mai 2003. Notre pays a ratifié cette convention en janvier 2006 et a adopté une loi nationale en application de cette convention cadre en 2011. Les arrêtés d'application de cette loi ont été publiés en avril 2013. Mesdames et messieurs, producteurs, fabricants, distributeurs et consommateurs de tabac, permettez-moi de vous rappeler que nul n'est censé ignorer la loi. Les autorités sanitaires et judiciaires recevront les instructions nécessaires pour appliquer la loi. Avant de terminer mon propos, permettez-moi de vous rassurer que nous allons intensifier nos efforts en vue de protéger la santé des populations, surtout des jeunes, grâce à une sensibilisation aux effets négatifs de la consommation de tabac sur la santé et l'interférence de l'industrie du tabac. Un plaidoyer fort sera déployé auprès des autorités législatives et exécutives afin d'augmenter les taxes et renforcer le contrôle par les taxes rigoureux dans les établissements, aussi bien publics que privés. Cette cérémonie officielle sera suivie de plusieurs activités de sensibilisation sur le terrain dans l'ensemble des trois îles. Comoriens, nous prêchons des Comores sans tabac. Et j'attends que chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice. C'est en ce terme que je déclare ouvert la Journée mondiale 2024 pour la lutte anti-tabac. Je vous remercie. Salam alaikum. Baba Manawa Kilo Omes, Baba Manawa Wizara Yeshiha. Journaliste, ma bonne maman, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hen Maha, Dunia Roche Rehi, Sukia Leo, 31 mai, où je suis venu à Wana Naeomsi. Leo, Sakali Akomor, Sakanihana Wampia, il est Roche Rehi, où je suis venu. Mahono est venu à Rengwa, de Wana Na. Zi kampani ya zi industries fanya omsi mbele za maji. Kamsi wa jeni. Yamsi juu amana miongoni ma mabawade maziro kamba yorema wa kazi omsi fanya hazinzio. Mahayamisu yani wanua maizi mana wanua hazi wengine hao wasenda wahilisha omsi a control. Hususan niveau ya mashababi senda herenga ampleur. Na babo hususani urondo senda wa hidala msi wa yano hidisha mabi msi wa huvura. Bewe ba msi kakte nyingi za msi. Hususani upanua mashababi uja bunya kakte nyingi za msi. Notama de sigareti elektroniki na babo ular shisha kama na asidere na ukufu suni ha mashababi. Sidali wajotu babo kakte za msi za sadiwe kama na parce que je me suis dit que je suis un peu plus grand que moi. 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 Je suis un peu plus ma député va voter loi, y a Houssou et Charles Gachichou. Zivizara, le président a toi décret, y a eu qui en zia et Charles Gachichou. Zivizara, c'est toi arrêté à la zine, donc ça veut dire que Charles Gachichou a la naïve, même si nous. Papa, je vais vous dire que je suis ma bamana. Je suis ma bamana, ma santé, ma bamana, ma mahakama. Et pour les policiers, je vais vous dire que je suis ma bamana, ma Charles Gachichou. Et que Charles Gachichou, je vais vous dire que je quand vous cherchez un coup de l'homme, vous avez six jours. Donc, vous cherchez un chercheur 25. Vous rendez ça le haut, une mafali officielle. De l'homme Nazar en Colombe à Rawakati, une épidémie, car toujours à Fayama, il fallait du pop de Mara Tagaman, le Bouébé, au quoi à Fayangina, toujours Lunga, sous son de sensibilisation. Alors, vous avez une vieille au niveau à Massiwa Yumara. On va sensibiliser ou surtout ma jeune va jouer ces rapports avec nous à partir de zamsin. Ma campagne est de cigarettes électroniques, des chichas, des choses comme ça. Après, on va vous rendre une autre. Les choses à ça, ça va se faire. Donc, campagnes sur le terrain. Tout le monde nous a dit ma femme va se faire mal et comme mal, mais voilà ma femme de nous sensibiliser ou encore aider et que Spanya apeli wafupia waelewe mbaba sharia na sharia lazima shurumiwa. Masifiki maneke sharia shisurumiwa, shisosahidia haku 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 mwafuwa wanao na unsi unu. Hili rishidi lawe haru wa tambuzini, mana kato jore ndisa bebi nziini. Developmente fanyua, emergency star waswini uwantu husu solo ni mashabani. Husu solo, na wale wasi blewa na zendistris fanyo omsi. Donc, on va voir la zine ou à quel assuage, mais il y a un japonais qui a fait des médias. Donc, on va voir en Tunisie, le roi, vous regardez, vous faites des dizaines de charrières. Les charrières, c'est un chirurgien. Mais les caches chirurgiennes, les choses, c'est des idées, ou pire, ou à la voile de la mission, ou à chier de la famille Hazio, Hadia Lazine. Donc, on va voir les gens, car on va voir la campagne, il y a des gens qui donc, pour vous autres, je viens d'y aller. On peut y avoir un peu de la journaliste qui se soit noir, c'est dire, Riké ou Arengues, les informations, vas-y diffuser, à quoi la bonne est la zone diffusée, il y a un peu de la journée, c'est à toi, les gens, à bon sion, la habu zizo, et les gens, comme la rémoua, et les campagnes, la wana, la msi, la moune, la salam alaikum. Ok, bon, Marada Menji. Je suis en train d'annoncer le programme Maloni. Donc, je suis en train de faire le ministère. Je suis en train de faire le Messi, le Noirunga. Je suis en train de faire l'association vraiment au niveau terrain de Akata. Donc, je suis en train de faire le journaliste qui est en train de faire le
ekanga busuala la ukamwelewe na elezo zaidi njumai zamba vanu dakika mbili baada ya directeur de cabinet ofisiel wa jujua convocal docteur Mzembaba, docteur Isani, Sisi direction Gasivano et Akatango Oran, Wajujua Zirizi Tekeles. Il y a des optimistes aussi pour Jean Gardia Sassaya, Armada Tika Miliva. Or, tu sais, Nana Zemedia Slova, Zepache, Kangabo Suala, Namri Tekeles, on y a une assistance, Kangabo Mahal et Kangabo Janza Jou et Maïle Zaï, et Takavat, c'est mon gars pour le Namaste. 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 Nama